Peut-être. Bon, alors, question, quelle map, nombre d'imposteurs? Bah, un imposteur, du coup. Un imposteur. Ouais, un seul. Et je ferais bien la première map, là. Le scale. Je sais pas. De Mirror. De toute façon, on peut faire les trois. Le vaisseau, le Y ou la lave. Non, le vaisseau, moi. Enfin, moi, je serais pour le vaisseau. On va peut-être éviter Paulus avec un seul imposteur. Ouais, Paulus avec un seul imposteur, ça va être ça. C'est vrai. Ça va être long. C'est quoi, Paulus? Paulus, c'est la lave. Ah ouais, non. Elle est trop grande, celle-là. Ouais. Bon, alors, on tente sur le scaled. Faut que je change de raccourci en QWERTY. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Et les bras, il est à fond. Bah, il s'est réveillé. Je vous ai mis le code. C'est vrai que je suis con, il vient de se lever. Ouais, mais pas tous, c'est égaux. Je vous ai mis. Techniquement, je viens de me lever aussi. Code. Ok. I am connected. Comment ça, je suis violet? R30, tu m'as piqué ma couleur, saligo. Ah, excuse-moi. C'était pas voulu. Tiens. Ah ouais, parce que je violet, ça fait. Non, j'aime pas. Ça fait trop violet. Il est sur stream, voilà. Pourquoi tout le monde se planque derrière moi? Ah, j'aime bien être derrière toi, Jake. Voilà. Ramène la coupe à la maison. Tac. Allez, okay. Bon, j'ai mis des settings, on va voir ce que ça donne. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont moi, peut-être, bien. Peut-être beaucoup de tâches par contre. Oh, bah ouais, mais il n'y a qu'un seul imposteur. On est 6, hein. Ouais. Je vais repasser à. En 2-2-5. Ou 2-2-4. Mmh. On va tenter 2-2-4. On ajustera au pire après la première partie. Oui, après. Ouais. Par contre, je crois que Counter Strike faisait B4-4. Tu mets aucune update sur la taskbar? Ouais. Ok. C'est-à-dire que même fois qu'il y a du buzz ou du vote, ça va pas, c'est ça? C'est ouais, ça. On peut mettre en meeting. Donc comme vous voulez, c'est juste pour savoir. Le problème après, c'est que si tu mets juste en meetings, quand t'arrives sur la fin de partie, t'es en mode on reste tous groupés autour, on fait les tâches, comme ça d'un autre temps, ils pourront pas gagner. C'est vrai. Donc, bah après, tu peux pas le faire contre un never. Quand on affiche never, ouais, voilà. Mince. Never, never, never. Plus de suspense comme ça. Eh bien, hydrate-toi le gosier. Hydrate-toi. Il manque Imra. Il manque Imra, toujours le même qu'on attend. Ah oui. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous m'attendez, moi, vraiment. Il est mal réveillé. T'es parti au petit-déj, non? Ouais, c'est ça. Ah non, du tout. Non, mais il est allé. Attends, j'explique ce qu'Imra est en train de faire. Il est parti faire son café. Il est revenu. Il va prendre son café dans 2 heures quand il sera bien froid. Ouais, normal. Ah, j'ai pas fait de café là, je l'ai pris tout à l'heure le café, mais ça aurait été possible, honnêtement. D'ailleurs, question, quand tu te réveilles à 18h comme ça, tu prends un petit déj ou tu prends un repas? Ah bah, un petit déj. D'accord. Horrible. Oh, bah, dans un sens, il a raison. Hein. Bah, le réveil, c'est le réveil. Oui, t'as raison. Même s'il est 18h, que je me réveille à 18h, je prends le petit déj à 18h. Non, c'est vrai que j'aurais du mal. T'imagines, je commence à 18h, je me fais, je sais pas, de la pizza, un kebab ou un cassoulet. Ah, mais pourquoi cassoulet? Arrêtez! Un cassoulet au lever. Arrêtez! J'arrive pas à join le canal par contre. Désolé, Jack. C'est bien Europe ou c'est States? C'est Europe, ouais. C'est Europe. Je force. Salut l'Europe sur le chat. Une cam public pour rejoindre. Ça déconne des fois. Des fois. Et y'a personne qui peut mettre le truc pour join directement sur le clic Discord là? Avec le machin à rejoindre? Je sais pas si quelqu'un peut le faire en dehors de l'hôte, je t'avoue. Parce que moi je t'avoue, j'ai tout qui est en PLS en fait. Enfin ça charge. Non. Et t'as le choix, je start le game hein.
C'est bizarre. Ah, ça y est, ça fonctionne. Ah. Incroyable. Oh, voilà. Il me reste des cornes sur la tête. Mais ouais, j'ai des cornes. Je suis le roi de la forêt. T'as voilà. Deux... Il y aura, t'as deux petits glands. T'es des oreilles. T'es le roi des glands. Eh oh, commencez pas à juger mes cornes, ok. C'est pas des cornes, ce sont des bois. Ce sont des bois, pas je sais pas s'ils ont rajouté des trucs d'ailleurs, je crois pas. Bah, tu vois, j'aime bien Ocampo, c'est sobriété absolue, y a pas de fioritures, c'est bien. C'est plus discret. Bah, au début, j'avais un mini moi sur moi, mais je me suis dit que si j'allais être un poster comme souvent à la première game, bah c'était facilement visible. Oui, c'est vrai. Des fois, ça dépasse. Ça dépasse. Oh, la référence, merci. Allez, Bamos. En avant, Guingamp. En avant, Guingamp. Aïe, c'est terrible. Good luck. Et mourrez bien surtout, hein, c'est important. Toujours c'est Ocampo. Ça commence ouais. Bien. Je suis Mudiscord. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir Elros. Among Us, premier Among Us de l'année. Parce que c'est mardi. Et le mardi, c'est Crime Party, Murder Party, tout ce que vous voulez. Alors je rappelle, Among Us, je joue à la souris. Ça va pas aider. Je ne joue pas au clavier. Déjà d'une, parce que j'ai du mal. Et de deux, parce que mon clavier est mort. Voilà. Donc, pensez-y. Mon clavier est mort. Enfin, j'ai des touches de mon clavier qui ne fonctionnent pas très très bien, en tout cas. Bon. On va y aller tranquillement. Hein. C'est la première, c'est la game de chauffe. On fait semblant d'être sur le jeu du Simon. Dubidubidu. Où sont les gens? Tac, tac, tac. Tac. Bah. Ils sont passés où? Ah. Alerte, au nom de la loi, je vous arrête tous. Merde, c'est pas Ocampo, dis donc. Oh, les mains peau de lapin, où c'est que vous êtes tous? Moi je dis c'est pas cool parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'augmenter le son de mon casque et je me suis fait exploser les oreilles. Bah, Imra, je vais pas te dire où je suis, tu viens me croiser? Ouais, mais moi je veux savoir où c'est que vous êtes tous, moi. Présentement, je fais la navigation. Je suis au vide ordure en bas où tu viens de partir. Admin. Confirme, moi je suis dans admin également. Je répète, c'est la navigation. Donc le plus proche du cadavre c'est Rimfire, parce que le cadavre est à Electrical. Juste à côté de la vente. Mais je pense que la vente n'a pas été prise, parce que sinon vous auriez peu. Sauf que moi je viens de Shield et avant j'étais navigation. Je confirme, je l'ai croisé à la navigation. Donc c'est sûr qu'il était tout le temps à droite, c'est sûr. Ah bah oui. Pour moi oui. J'ai croisé Artrand, Ando, et puis toi quand tu es arrivé en bas au vide ordure. Jack. Premièrement, je suis allé à admin. Alors, je suis allé à admin faire la carte. Je suis remonté à la cafétéria faire la poubelle. Ensuite, j'ai fait les weapons. Et là, je suis à navigation. Qui est allé au cam? Personne, je pense. Si. Ou alors, c'était au campo, alors. C'était au campo, alors, sûrement. Parce que moi, quand j'étais avec Rimfire, quand il est rentré de O2 à navigation, il y avait les cams d'allumer. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui est allé au cam. Est-ce que c'est pas le tueur qui est allé au cam justement pour repérer une cible et schlack derrière? Ouais. Rimfire, est-ce que tu penses que ça pourrait être un self-report, toi qui est à côté d'Imra? Alors, vous allez me dire si je me trompe. Imra était sur le vide ordure et j'ai pas pu cliquer sur le vide ordure tant qu'il était là. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est moi? Voilà, c'est donc pas, ça n'a pas été pas pas visuel. Il n'y a pas les visual tasks. Oui, mais tu vas pas faire. Bon, on skip. Ouais. Il y en a un, il y a eu chaud aux fesses. C'est pas passé loin. Hein. Pourquoi ils ont voté contre moi? Il n'y a aucune preuve, hein. Il n'y a aucune preuve. Hein.
Va falloir faire attention. Je comprends pas pourquoi ils votent contre moi comme ça, les gens. Faire attention. On va essayer de faire un peu plus attention. Genre là, les gens, ils vont bien voir qu'on est au cam. Donc là, il est rentré. Imra, il a bien vu que c'était moi au cam. Il remonte. Cafétéria. Donc là, Imra, il va à Medb. Security Artrand. C'est difficile, très difficile, messieurs dames, très difficile. Ah, quelqu'un au cam encore. Encore les cams. Étant donné que je sais où étaient Artrand et Imra, ça ne peut être que Jack. Voilà. D'accord. D'accord. Pour moi, c'est clair et net. Et pourquoi ? Je vous explique ce qui s'est passé. Alors, je me justifie. Il y a eu l'alerte, du coup, aux deux. Donc, évidemment, moi, je suis allé à l'opposé pour voir s'il n'y avait pas un cadavre. Et je me tentais à trouver le cadavre d'Artrand, tu vois. Parce que je savais qu'il était aux caméras. Et en fait, ce n'était pas celui d'Artrand que je trouvais, celui de Rimfire. Et j'ai croisé Imra à Admin juste avant. Et j'ai croisé aussi Artrand un tout petit peu avant, il me semble. Mais si Artrand était aux caméras avant, Artrand, je l'ai croisé, ouais. Ouais. Non, mais j'ai croisé Artrand en fait peu de temps avant de recroiser Imra. Et la seule personne que j'ai pas croisée depuis un bon moment, c'était Jack. Il était pendant un moment côté caméra et tout. Mais après, je sais pas trop où c'est qu'il a parti, Jack. J'ai lâché les caméras quand Artrand m'a croisé. Donc, excusez-moi, mais. Je sais pas, il y a plusieurs moments où Artrand aurait pu me tuer. Je pense pas que ce soit lui. Et Imra, pareil, je sais pas, j'ai croisé à plusieurs endroits à la fois. Je sais pas, le réacteur, non, l'alias s'est déclenché pendant que Imra et moi, on était à peu près vers Admin tous les deux. Donc je pense vraiment que... C'est sûr qu'il y a eu un kill loin, et puis il nous a envoyé à l'opposé. C'est ce que j'ai pensé tout de suite, c'est pour ça que je suis pas allé faire aux deux. De toute façon, moi j'avais fait celui Admin, donc il n'y avait plus que l'autre. Le corps, il est côté réacteur, j'imagine. Non, il est au cam. Il est au cam. Au cam, d'accord. Ouais. Ok. Bah, Bon, si on se trompe, c'est la merde. Non, mais vous avez aucune preuve concrète, vous accusez comme ça. Enfin, je suis désolé, mais j'ai lâché les caméras à Artrand d'arriver, donc. Moi, je trouve que c'est très concret ce que je dis. Moi, je trouve aussi. Honnêtement, je te soupçonnais déjà au tour d'avant, donc... Oui, mais c'est là aussi pourquoi vous me mettez deux passifs, sachant que au tour d'avant, il y a quasiment... Mon pseudo n'est même pas sorti. Si, tu rigoles, je t'ai accusé tout de suite. Je savais où était tout le monde, sauf au campo. Et au campo, c'était celle qui était morte. Donc ça pouvait être que toi. Ah, c'est pas une preuve concrète, ça, je suis désolé. C'est une preuve concrète. Bon, depuis le temps, même en crewmates, vous me croisez quasiment jamais, donc... Moi, j'avais un doute sur Jack, mais... je sais pas pourquoi. C'est marrant, tu l'as croisé, t'as fini en pilon de poulet. Je l'ai vu, il m'a suivi, j'ai fait bizarre. Il a tourné vers Amin, j'ai fait bon, ça va. Je l'ai revu, je fais je suis morte. Et paf,
Ça fait de la ratatouille. C'est terrible. Oui, pardon. Merci à prendre. Je vais zapper ce détail. Toc. Bon. Ah, moi je... En fait, j'avais envie de te défendre, Jack, parce qu'il y a eu tout un moment où justement t'as été seul avec moi. Mais en même temps, je te soupçonnais un peu du premier tour, donc j'ai voté. Je sais pas. Je... Allez. Sentiment. Good luck. Let's go. GL. Ah, je vais rien leur laisser passer. Hein. Ça, clairement, je vais rien leur laisser passer. Hein. Là, pareil, ils sont tous partis d'un côté. On est... Je suis crewmate, hein. Ils sont tous partis d'un côté. Bon, bah, du coup, il faudra attendre la partie prochaine. Non, mais. Sérieux. Sérieusement. Vas-y, je veux voir ça. Je veux voir ça. Hein. Mon cadavre est ici. Mon cadavre, il est là, là. Il est ici, là. Mais non. Mais lol. Mais c'est pas. J'ai pas le droit de rager. Pas le droit. C'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est vraiment dégueulasse. Il va gagner. Le pire, c'est qu'il va gagner en un tour. Il va gagner en un tour. Allez-y, battez-vous. Ah. Heureux. Bon, bah, je crois que ça va être vite fait. Très vite fait, je pense, encore pour. Hein. Ouais. Bisous. Au revoir, Imra. Il n'y a qu'une justification. Pour moi ouais. Tout le temps. Mais t'as très bien joué, dommage. Vous auriez au moins pu justifier à porter des arguments, quoi. Et... bah, en fait, on s'est suivi tout le long. Vous étiez sûr. Ah, c'est la comédie qu'on est peu nombreux, hein. C'est sinon, Rimfire et Ando, vous avez des lunettes. Hein oui, parce oui. Que juste, Imra m'a tué quasiment sous vos yeux. Ah, je l'ai pas vu, moi. Et quand vous êtes venu à Admin, j'étais quasiment à vos pieds. Eh mais il y a les LED qui est tombé à ce moment-là, il y avait plus les lights. Et le bouton, il s'affiche pas, le non. Bouton non. Si, le bouton, il s'affiche. Ouais, si mais jamais... si tu fais pas gaffe, t'as un grand... Ah ouais, mais... il s'affiche. Ah bah moi, j'ai faire rien, attention, ouais. Et Imra qui se colle au mur en mode, merde, ils m'ont vu, en fait, personne n'a vu, et après, il Rimfire juste en suivant. Bah en fait, comme il y avait les lights, je savais qu'il m'avait pas vu, donc c'est pour ça que j'ai attendu que ça bouge. T'avais vu Rim. Download. T'es allé vite pour faire 3 kills, hein. Vache. Ouais. Ah ouais. J'ai pas de bol, il est tombé sur les deux. Il restait les deux qui se sont pas quittés quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Pas de bol, c'est du loto. Hein. Et à toute. Unlucky. Essayez de pas mourir. Ah là là. On va commencer à mettre bail à l'air. Il y a les... Comment ça s'appelle les... Les tubes à essai. Admin, Elec... On va faire admin puis Elec. Encore une fois, je suis tout seul. En crewmate. Donc vraiment, leur truc... Oui, on voit jamais Jake en jeu. Bah, c'est normal. Voilà, là, je vais passer devant les refaire. Il va pas me voir parce qu'il est sur le téléchargement. Je fais toujours en sorte de croiser personne, même en crewmates, donc bon, leur argument, bonjour quoi. Tac.
Ensuite, Reactor, Medbay, Storage. Storage, oh non. Y a rien d'optimisé dans cette partie. Hop là, Reactor. Faites le ciment. Petit coup de lag là. Bah, bon, bah tant pis. Heureux. Ouais. Bon, je confirme, le bouton report s'allume. J'ai pas vu le cadavre. Ok. Ok. Bah, je vous laisse dire où vous êtes. Ah bah, bon, moi, jamais personne ne me croise de toute façon, donc vous allez encore m'accuser. Si, je t'ai croisé, Jack. Bon, moi je suis à Electrical, j'arrivais pour fixer les lights. Voilà. Ok. Moi j'ai fait le download dans la, enfin, le download dans la café avec l'upload à admin. Après je suis allé faire les astéroïdes et là j'étais faire une quête à navigation. Moi j'étais dans Storage et quand il y a eu les lights qui sont coupés, j'allais aussi vers Electrical, j'étais à côté. Là. D'accord. Et bah le mort est. Dans le rond-point. Le rond-point. Où il y a l'essence. D'accord. Ah, mais bah, au nord. Storage. Ah, moi je suis passé. Ah non, j'étais au gasoil. Bah après, je sais pas si c'est du gasoil ou de l'essence. Hein. Ouais, non mais. Possible. Fuel. Voilà, ok. Voilà, voilà. Fuel, normalement, c'est l'essence, je crois. Ouais. C'est un détail. C'était où Jake sinon avant, c'était Jake avec Tricol, mais je suis parti avant lui. Réacteur. Réacteur. Ok. Ok. Mm-hmm. Bah, je sais pas, personne n'a vu quoi que ce soit. Je peux pas dire, problème. J'ai rien vu. Okay. Non, j'avoue que j'ai rien vu, hein. J'ai juste report. Ok. Bon bah. C'est clair. Ah ouais, d'accord. C'est clair. Ah ouais, d'accord. Ok. Hop là. Cafette. Et après on ira à droite. Téléchargement de 10 secondes. Ok. Et enfin, anon 2. Long là.
Sérieux. Putain. Oh non. Attends. Comment ça se fait que j'ai pas pu faire le Simon alors? Ah bah je sais pas, mais moi j'étais pas dessus. Et Jack, pourquoi tu m'as fait confiance? Justement, je te faisais pas confiance. D'accord. C'était pour lui. Bah désolé. Bah heureusement, j'allais t'innocenter. Ah oui, en plus. Bah oui, j'ai pas pu faire le Simon. Non, le Simon, c'est pas une tâche... C'est pas une tâche bloquante. Mais je devais peut-être pas faire le Simon, alors. Bah je pense que t'étais pas devant, en fait. Parce que je, ouais. je t'ai entendu massacrer ton clavier. Genre, massacrer. Bon bah, ok. Il y a eu combien de morts cette session? 3. Il y a du macabre au mètre carré, hein. 3. Ouais, parce que moi j'ai vu Jack tué... faire l'O2, j'y suis pas allé, mais j'aurais dû. J'ai tué Imra au câble storage, j'ai tué Rimfire Medbay devant, devant le scan, et j'ai tué Jack juste devant O2. Parce qu'il attendait, sagement que je fasse le code dans O2. Donc, du coup, je suis allé, le code à admin. Pardon. Ah, voilà. Have fun. Allez. Il va falloir faire le plein de carburant cette fois-ci. Non mais reste ouvert toi. Il y a Ocampo qui... Ouais, il y a Ocampo qui... On entend ce qu'elle fait. Les petits câbles. Ça commence bien. Ah non, c'est le fusible, tant pour moi. On va passer à mettre B sur les tubes à essai. Storage, fuel. Ah oui, donc là. On va faire ça. Qu'on a croisé. GG. Non mais le cooldown est trop... Le cooldown est beaucoup trop court. Genre, je vous ai tellement enchaîné. C'est chaud. Ah ouais, là c'est rapide. Franchement, je trouve que pour une distance courte, tu tues quand même de loin. Ouais, je t'ai tué de très loin. Donc. Clairement, c'était les lags serveurs, les latences serveurs. Je me suis dit, je l'ai vu 20, je me dis, c'est bon, j'ai le temps largement, j'ai largement le temps d'avance sur lui, quoi. Il y a que dalle. Non. Non, mais moi, c'est pareil, t'es même pas sorti de la vent en fait pour me tuer. Ah, si. Bah, à mon écran, non. Ah, si, je suis sorti de la vent, je suis reparti. D'ailleurs, j'ai cru que Rimfire m'avait vu. Bah oui, Rimfire était là juste avant, c'est pour ça. Au niveau de weapons, j'ai fait un kill weapons sur la vent. J'ai fait un kill. Tac. Après, t'es arrivé à admin. T'as juste eu le temps d'arriver à admin, t'as pu tuer quelqu'un, t'es reparti. Ouais, c'est ça. T'as croisé quelqu'un dans le couloir, tu l'as déglingué. Enfin. Ouais, non, mais ça. Ouais, non, mais c'est très rapide. Hein. Je l'ai passé à 25 secondes. Parce qu'il était à combien? Au lieu de 20. Ça marche. Ouais. On verra déjà si c'est mieux. Hein. Pas, ouais. Si je suis encore imposteur, on remake. Hein. Bah non. Tu t'es plaint l'autre fois que t'étais jamais. Oui, bon, d'accord. Ah, j'aurais dû partir MedB en premier. Quoique, il y a des câbles
la navigation. Beaucoup de choses à faire. Partir par là. Beaucoup de choses à faire. Je devrais peut-être jouer à la manette en fait. Peut-être que ce serait plus simple. Moi j'essaye. Ah non, shield. Shield d'abord. Shield c'est bouclier bien sûr. Medbay, cafétéria, electrical. Là, j'ai fait un petit mouvement bizarre, ça va accuser. Tout le monde va m'accuser, ça y est. Bonjour, et eh ben Artrand vient de tuer devant moi Imra, il me semble, ou Ando, l'un des deux. Il y a pas devant moi, il vient d'entrer dans la vente à Electrical. Ah bon? Oui, ah bon. J'étais en train de faire ma quête, mais j'étais vu faire d'une discrétion absolue. Non. Bah si. Bah non. Bah si. Ah non, bah non. Pas trois fois. Alors on remake pas. Hein? Alors on remake pas. On remake pas. T'as dit si je suis encore imposteur, on remake. Oui. Croyez-moi sur parole, il y a aucun doute. Je crois que c'était Imra qui est à côté de moi. Et il est en train de faire les câbles, le pauvre. Trent, il est arrivé, il le zigouille et il se barre dans la veine, tranquille devant moi, genre je l'ai pas vu. Alors, moi j'ai laissé au moment des lights Imra et Rimfire ensemble. J'ai remis les lights, je suis revenu voir s'il y en avait un qui avait tué l'autre, personne n'était mort. Donc je considère que Rim est de confiance. Voilà. Au Campo, c'est toi qui es rentré à Medbay dernièrement? Pardon? Est-ce que c'est toi que je viens de croiser à Medbay? C'est quoi Medbay? Le scan. Oui. Ok. Je c'est une couleur claire, mais je savais pas si c'était blanc ou bleu. Non, c'était moi, je t'ai vu et du coup j'ai dit je reviendrai plus tard. D'accord. La balle est dans... Bah non, la balle est dans ton camp, Jake. Tu seras le bourreau. Lui, il a pas voulu quoi. Non, mais il y avait rien à défendre, c'est genre... Je pensais vraiment que tu me verrais pas en étant dans ta quête, donc... Et bah si. Et bah si. Du coup, voilà, je le saurais. Tu as... culotté, j'ai envie de dire. Hein. Alors en fait, vraiment un peu... T'étais à côté de ma quête, vraiment juste à la limite de l'écran, donc je t'ai vu descendre dans la veine, tranquille. Ah non. Ah la tristesse. Voilà. Eh, tu comptais sur le fait qu'il était en train de faire sa mission, du coup l'écran était plein. Bah c'est ça. Et bah moi j'étais jamais allé dans Electrical, du coup. Personne m'avait vu. C'est ça. C'était diabolique. Ah, ça aurait pu le faire, hein. Bah, tu voulais faire le lobby parce que ça fait trois fois de suite. Ouais, on va. Je vais quitter et puis. Est-ce que je recrée? Comme ça, ouais, recrète, on va passer sur Mira. Ouais, on peut alterner les maps. Mira, c'est le building, c'est ça. C'est ça, c'est le building. C'est le Y. Ouais. Ah, c'est ça, je connais. Ouais, bah, appelez les choses par leur nom, ça s'appelle un Y. Oui, merci. Excuse-moi, c'est un building. C'est un gratte-ciel même. Ouais, c'est un gratte-ciel. Pour moi, c'est un vaisseau, mais après. On laisse. Un avec des réacteurs, c'est un peu bizarre. On laisse ces settings là. Oui. As you want. Même... On va tenter. J'ai mis le nouveau code. Oui, bah, nous sommes déjà 4. Oui. On attend encore Imra, mais on a l'habitude. Ouais, il dort. Je vois pas de quoi tu parles, je suis là. Hein. Maintenant, oui, bon. En plus, c'est même pas moi, c'est au Campo qu'on attendait. Non. À peine. C'est la latence serveur.
Ouais, c'est si on a une connexion oui. pourrie. Ouais. Ouais, ils sont à deux sur la même connexion, ça pompe beaucoup. Quoi. Bah ouais, en même temps, si on n'était pas là, vous pourriez pas jouer. Bah, c'est un peu compliqué. C'est pas faux. Si on pourrait jouer à deux, ça doit être sympa de jouer à deux à Among Us. Ah ouais. Faire un cache-cache. Bah, tu peux pas jouer à deux. Bah oui. C'est à combien minimum pour lancer une partie? À 3, oui, mais à 2. Ok. Ah, ça a commencé. Alors, que je me souvienne de cette map, ça fait longtemps. Storage. Ah, c'est à l'autre bout ça. Laboratory, greenhouse. Ah, Med B. Laboratory c'est là-haut, greenhouse c'est là-haut ici, réacteur. Je vais aller à storage d'abord parce qu'il y a les câbles. Imra il peut m'innocenter du coup. Imra peut m'innocenter. J'ai un ping de 50 ms. Alors les gens ils vont dire oui mais ça va 50 ms. Ouais non 50 ms pour moi c'est beaucoup. Hein. Eh bien, bonne année. Hein? Non, laisse-moi faire le câble. Merci. Bonjour, bonjour. Prends un chocolat en attendant. Bonjour. Donc, j'ai trouvé le corps de Jake dans la cafette en bas à gauche, presque à storage. Et ce que je peux dire, c'est que je viens de croiser Ocampo qui partait de la cafette et il y a Imra dans la cafette. Ah non, je n'ai pas eu toute cafette. Non, moi. Il est pas dans la cafette. C'est vrai. Eh ben, sur mon écran, je peux te faire un screen. Je te crois. Hein. T'as un bug d'affichage. Et moi, je te vois devant le bouton emergency dans la cafette. Ah, mais quand tu reportes, ça nous tapait tous au milieu. Donc c'est possible. Ah, que tu pardon. Mets plus, hein. Ok, d'accord. Ouais. C'est... Ça bah, tapait tout le monde. Je viens de voir Ocampo qui vient de sortir de la cafette, par contre. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Vu. Ouais. Et moi, elle je l'ai vu coup... justement. Elle était un peu sur la gauche de la cafette, mais je peux pas dire que c'est elle. J'en sais rien du tout. Je ne l'incrimine pas, même pas. Moi je pense que je peux y sentir dans R30 sur ce coup-là, que je crois qu'on s'est croisé à réacteur. Ouais, on était réacteur tous les deux. Mmh. Après, faut pas oublier que les... Que les... Toutes les events sont connus contre elle. Les events sont connectés, ouais. Le kill event est possible depuis l'autre bout de la map. Toujours est-il que... Ocampo, Imra, tu faisais quoi toi? J'étais à Medbay justement. T'étais à Medbay? Ok. Ouais. Parce qu'il m'a senti. Jake, il est parti peut-être 10 secondes après moi. Enfin, avant moi. Ok. Et il a dû descendre direct à cafette, il s'est fait tuer là. Hein. Du coup. Ça marche. Donc le kill est tout frais. Hein. Ouais. Oui, le sang il coule encore, hein, c'est pas vieux. Bon. Ouais, j'imagine bien. Qui c'est qui a les poches ensanglantées là? Les poches. Ouais. Bah. Oh, ça dépend. Si on y réfléchit, c'est Rimfire ou Imra. Non, il y en a qui tuent par ou Ocampo. Rimfire ou Ocampo. Ouais, j'ai pas vu l'état pas du cadavre. Moi je. Tu peux vendre. Au revoir Ocampo. Oui, tu peux vendre. Là. Avons-nous eu raison ou tort? Nous le saurons bientôt. Mince, je me suis dit que vous avez... C'est dur, hein, la map est très linéaire. Hein. C'est... Ouais. Déjà, c'est une vengeance perso, parce que Jack il m'a tué pas cool au début. Du coup, je l'ai vu, j'ai fait « Toi, t'es mort !» Et après, j'ai vu Rim, j'ai fait « Merde !» Mais en fait, j'ai pas été imposteur depuis un mois, je crois, donc je savais plus quoi faire. Bah, tu ah, ok. Bah, maintenant, tu sauras. Tu serais parti plein sud, il y avait une vent, c'était fini, on n'en parlait plus, on savait pas que c'était toi. Ouais, mais je sais pas vent. Oui, oui. Et je savais pas que Rim était là. Bah non, ouais, tu pouvais pas me voir là. Parce que quand je suis descendu, t'étais pas là. Et je suis remonté, j'ai fait mince. Et là, oh. Ouais, et puis j'ai vu, t'as remonté, t'as fait un petit temps d'attente, et t'as continué de remonter, donc ça m'a paru bizarre. Mais bon, sans pouvoir être sûr que c'était toi. Vu qu'il y avait la vente en bas, j'ai préféré pas trop t'incriminer non plus. Je voulais pas te mettre. Ouais, non, ouais, mais bah par ouais. contre, moi je marche très bizarre dans les couloirs, hein. Faut pas s'inquiéter. Elle est pareille dans la brasier. Non. Ah ouais, d'accord. Ah. J'ai tellement l'habitude d'être aïe, un fantôme aïe. Que je me prends tous les murs. Ah là là. Bon.
Et ben on est reparti. Non, mais moi j'étais pas d'accord pour remake. J'étais très bien en croumette. Bah écoute, j'y peux rien. Bah si, c'est à cause de toi. Allez, de nouveau, la tâche figure des plombes. Je me rapproche du micro, peut-être ça serait mieux. Je vais m'éloigner. Admin storage, encore une fois les câbles storage. Ben, on va faire la même chose. Hein. La même chose, mais sans passer par Med B. Par la baie de la médecine. Artrand. Imra. Locker room, les câbles, on passe ici tant qu'à faire. On va monter, admin. Ah ben on va monter encore plus haut. 48, 8, 1, 7. On va mettre les petites feuilles. Surtout ne vous battez pas pour aller en bas. Hein. Moi j'ai fait celui du haut, j'ai fait ma mission. Ben décidément aujourd'hui hein. La vengeance personnelle de Jack encore. Ah ça fait mal en tout cas. Donc j'ai trouvé Ocampo qui est en bas du sas de décontamination qui monte je sais pas trop où là, au réacteur je crois. Là-bas. Voilà. Mm-hmm. Était pile poil sur la porte dis donc. J'ai dû ouvrir la porte pour la reporte. Ce que je peux dire c'est que j'ai vu Imra et Artrand sont montés dans le Y, sont partis vers la cafette. J'ai vu Imra après remonter admin. Ça je l'ai vu. Et Jake est arrivé après, il venait aussi a priori du sud. Il est monté vers ce qui était tout en haut là, le machin avec les plantes vertes. Greenhouse. Merci. Voilà ce que je peux dire de ce que j'ai vu. Mais moi ça m'a surpris de voir Jake en bas à droite à bah, cafette quand moi j'ai fait ma mission de théière au bouilloire là. Parce que je t'ai pas vu descendre avec nous. Et par contre, après, je me suis retourné, et là, je t'ai vu dans mon dos, j'ai eu peur. J'avais des câbles à faire à storage, et c'est un arrosoir que tu cherchais. Bah, ce que je dirais, c'est que si c'était Imra ou Artrand, ils sont partis à deux à la cafette, collés l'un à l'autre. Je pense qu'il y en avait eu un des deux de mort, ils seraient morts, ces deux-là. C'est pas le cas. Moi, je dirais que je suis parti en décalé parce que j'avais la tortue à faire avant à enclencher. Voilà. Ce que du coup, je vais me défendre puisqu'on voilà, on me suspecte un petit peu. Je suis effectivement allé à Reactor au tout début. Et puis, je suis redescendu, mais j'ai pas du tout croisé Ocampo par contre. Et après, à ce moment-là, il y a eu l'alerte et je suis allé faire l'O2 en bas du coup. Hier, 30, on s'est croisé là-bas d'ailleurs. En effet. Mm-hmm. Donc, ça reste dans ce que je disais, Ando ou Jake. Sans savoir qui est qui. Ouais, c'est compliqué. Allez. Ouais, il faut voter. Ah, bah, je me prends une pastille. Il a rien demandé, le pauvre. Bah, c'est ça, j'ai presque pas parlé. Bon, d'accord, suspect, mais pas moi. C'est gratuit. Tant qu'à faire, c'est à côté. Hop là. Alors là, je me plante pas, c'est le cas de le dire. Voilà. Parce que chaque fois, je rate cette tâche. Mais. Il manque quelqu'un là. Il manque violet. Ou alors ça, je l'ai pas vu passer. Ok, ben je dois être aveugle alors je crois, je sais pas, je comprends pas. Il y a l'unchpad qui est terminé, on va le faire, comme ça c'est fait.
Bon. Petite question. Qui est où? Rim, t'as quelque chose ou pas? Non, j'ai rien du tout. T'as rien du tout? Ok. J'ai rien de probant, on va dire. T'as rien de probant? Ok. Jack, t'es où? Lunchpad. Juste Lunchpad. Voilà. Si Jack avait voulu me tuer sur cette manche-là, il aurait pu me tuer sans forcer. Endo, t'es où? Je suis à Medbay. C'est faux. Pourquoi? Parce que tu viens de remonter dans des contaminations, c'est Endo. Je viens de Medbay. Il n'y avait personne, Medbay. Je viens tout juste de Medbay, en fait. Je viens de faire mon scan. Et il n'y avait personne. Par contre, je suis arrivé juste à côté de Rimfire avec le corps à ses pieds. Et toi, tu étais. Enfin, il y avait quelqu'un qui est en train de remonter dans des contaminations. Et je suis quasiment sûr que c'était toi, puisque tu mens. Je pense que tu as fumé. Vraiment. D'accord. Vraiment, je te jure, j'étais dans Medbay et je reviens du dessus. En fait. D'accord. Mais non. Mais tu m'as croisé? Mais non, c'est pour ça que ça m'étonne, je comprends pas. Parce que Jack, je t'ai vu partir vers Launchpad. Mm-hmm. J'ai trotté de peu, je pense. Là, je suis sur le chemin du retour du Launchpad, je suis à peu près au milieu du bas. Ça m'étonne pas. Et t'as pas croisé Endo? Non. Ah non, je croisais personne. Encore dans le couloir. Ouais. Non, mais je veux dire, avant. Pour moi, Artrand, du premier tour, c'est clair que c'est pas toi. Jake, là, aurait pu me tuer 25 fois, il l'a pas fait. Ouais. Donc, pour moi, il reste que Rando, quoi. Tu as fumé, Artrand. D'accord. Dans la vente. Pas du tout dans le décontamination. T'es pas dans... Mais... Il me brasse, il saigne encore. Je te jure qu'il y a quelqu'un qui est très chaud là. En décontamination, quoi. Pendant un moment, je me dis peut-être qu'Artrand va accuser Rimfire. Peut-être. Mais non, parce que je te dis, j'ai vu quelqu'un dans décontamination en train de monter. En fait, les portes sont ouvertes. Ah, moi, j'ai vu quelqu'un dans décontamination. J'ai voulu y aller, j'ai pas foutu un pied. J'y suis allé en fait. J'ai bien vu, oui. Mais la porte de décontamination, c'est moi qui l'ai ouverte avant de voir le corps. Hein. Ah, c'est toi. Je l'ai ouvert, mais que j'ai vu le corps, donc je suis allé au corps après. Mais j'étais dans la vente, juste à côté, en dessous. Ah bah du coup... Ok. Mais c'est pas grave, c'était Rando quand même, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, du coup, il aurait pas été inculpé. Hein. On sait pas. Hein. Ouais. Bah, moi, j'aurais aussi innocenté Jack, parce que je l'ai suivi pendant un moment. Le seul moment où il était suspect, c'est quand il est allé à Launchpad, parce que de Launchpad, t'as personne qui va faire un tour là-bas. Une seule quête, sauf si t'as la quête. Vent. Oui, non, mais il y a la quête. Mais je veux dire, globalement, tu vas jamais à Launchpad. Et Même en crewmate, sans pratique. Avoir la quête, ça m'arrive d'y aller juste vérifier s'il n'y a pas un corps. Ouais, voilà, mais pas souvent. C'est pas un endroit de passage comme un réacteur. T'es tellement éloigné que... C'est ça. Là, moi, j'avais pas bien de doute sur Rando, franchement... Avec ce que j'avais vu, j'avais pas de doute. Ça fait longtemps que j'ai pas été imposteur, c'est pour ça. Ouais, non. Je suis d'accord avec toi. Je comprends, même si ça peut donner l'impression que j'ai fait un carton de pâleur. J'aime pas être toute seule en imposteur. Bon, let's go. Let's go. Pas simple, hein, les parties à 6, hein. Vraiment pas simple. Allez, direction storage encore. Non, pas de admin. Pas de medbay, non. Les câbles. Tac. Ok. La fête, la poubelle. Ok, il y a tout le monde ici. C'est la fête. C'est
fait. Eh B. D'accord, c'était bloqué. Bah. Bah, Endo. Cette manie. C'était quoi ça? Ah c'est ouais, quoi, il a deux schlacks. C'est quoi, ah, c'était, quoi, quoi, quoi c'était quoi ce petit. Ce petit quoi, kill à admin là? Je te laisse parler parce que c'est toi qui reporte, mais bon, vas-y si tu veux. C'était quoi ce petit kill à admin et cette tentative d'aller vers la. Vers la vente directement là? C'était un petit peu. J'ai vu les gouttes de sang. C'est beau d'inverser les rôles. Ah ouais, non mais c'est très très beau de ta part, ouais, j'aime beaucoup. Pas. Non, mais en vrai, du coup, je viens d'arriver à admin, j'ai vu. C'était un flagrant délit. Endo vient de tuer. Il vient de tuer qui? J'ai reporté qui d'ailleurs? Rim, on ne reporte aucun qui vient de tuer de sang-froid, ta propre femme. Bravo. Ah là là. Bon, voilà. Après, je sais pas, Imra, Jack, vous étiez où? Je me souviens même plus. Si Jack, je t'ai vu. On a fait tout le chemin ensemble, à part au moment où t'es parti, admin. Ouais, voilà, on est d'accord. Ça, ouais. Moi, j'aurais pas pu faire de kill. J'ai fait Cafet, j'ai fait l'arrosoir et les fils électriques après Storage. On est d'accord que j'aurais pas pu faire de kill, Jack. Ça me paraît peu probable. Ouais, bien sûr. En vrai, on était jamais deux tout seul, donc à la limite c'était tendu en tant qu'imposteur. Mais il y a peut-être eu un tout petit moment où t'aurais pu et t'as pas fait. Donc, mais dans tous les cas, admin, tu viens d'y aller là maintenant. De toute façon, depuis le début, t'étais pas. Vu qu'on a fait le chemin ensemble. On a fait le chemin ensemble. Moi, j'ai fait les câbles storage. Après, j'ai fait les astéroïdes. Ouais. Je suis arrivé à 10 000 après Artran, hein. Je suis monté en premier, mais je suis d'abord allé à Electrical. Ouais. Et après Artran est arrivé, il a tué Ocampo, je pense qu'il m'a pas vu, et puis je suis arrivé juste derrière lui. Oh putain, je démarre d'être un imposteur, sérieusement. Moi, je veux être un imposteur. J'ai une question pour Ocampo. Ocampo, t'as pas vu Rim? Rim. Tu l'as tué en plein milieu du couloir, et t'es pas passé devant. Bah, j'ai cherché, parce que j'ai vu qu'il s'était passé quelque chose avec un blanc, donc j'ai cherché et j'ai pas vu de cadavre. Et en bas du Y à gauche, devant les vestiaires. Bah non, il y avait rien. Et on est d'accord, Endo, t'es allé à Balcony? Oui. En vent, non? Non, j'ai quasiment non pas vent. T'as quasiment pas, j'ai pas vent? Pas vent. Non, j'ai pas vent du tout. En fait, okay. J'ai tué Rim, j'ai éteint les lights, et voilà, après je suis allé dans le cafétéria, j'ai les dire en mode « Oh bah si, encore, non c'est pas moi, je suis à Cafet, blablabla. » Ah mais du coup t'as fait les deux kills trop rapprochés, limite. Non, pas du tout, parce que après j'étais à Cafet, j'ai tué Rim tout au début en fait, quasiment. On s'était tous partis, il restait juste le pot qui était à Medbay. J'ai éteint les lumières, je suis allé à Cafet, j'ai fait genre je prenais une boisson, j'ai fait genre j'étais à Balcony. Là j'ai failli tuer R30, mais j'ai vu qu'il y avait Jack. Et il me rend, j'ai fait « Ok, non !» Et après, je suis parti en premier, j'ai vu Ocampo, j'ai tué Ocampo, et puis t'étais juste derrière. C'est ça. Ok. Ah, mais du coup, ça me fait bugger que tu dis qu'il était par terre. En plus, je l'ai cherché, je cherchais le blanc mort. Devant les fils. C'est pas de mal. Comment tu sais qu'il est mort? Hein? Il est tout mort. Parce que quand j'ai fait Medbay, dans l'entrebâillement de la porte, je voyais du blanc qui a bugué un moment, et plus rien. Et du coup, je suis allé voir. Et je cherchais du blanc. Alors après, j'ai pas fait gaffe que t'avais un pantalon blanc. Ça pouvait être toi qui attendais de voir s'il y avait quelqu'un. Ah, oui. Mais du coup, je cherchais le mort. Je me doutais qu'il y avait un truc bizarre. Parce que bien, le blanc a un pantalon bleu et moi, j'ai un pantalon blanc. Peut-être ça. Ouais, bah tu vois, c'est peut-être, peut-être que je l'ai pas eu parce qu'il était bleu et j'étais focus sur du blanc. Peut-être. Somme toute. Bon. On va parler de go. Endo, si t'es encore, si t'es encore imposteur, il faut pas le dire. Non, parce que dans ton remake, c'est moi. Bon, allez. Si je suis imposteur, je tue dès le début. Allez. Hallway, c'est le couloir. Oula, il y a... Sérieux, dès maintenant, là?
celui-là. Et pouf. Tac. On va mettre les pieds pour la première fois dans le laboratoire. Oui. Il va falloir revenir à Lunchpad en plus. Oh, Simon. Non. C'est pas cool. Ouais, ça va être compliqué, hein. Vous êtes tous là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent se disculper et tout? Réacteur. Ouais, moi je peux... Voilà, Jake est réacteur et j'étais tout le temps avec lui. Idem, je confirme, Jake est un réacteur, j'étais juste derrière lui dans le conseil de décontamination. Grâce au Campo, t'as fait quoi? Moi je suis aux astéroïdes. T'as été avec des gens, t'as croisé des gens? Non, je suis monté à O2, il y avait déjà Artrand, j'ai vérifié qu'il faisait bien la manip et qu'on se fasse pas entuber comme la dernière fois, et après je suis parti faire les astéroïdes. Ok, moi le cadavre est admin, hein, donc j'ai vu 3 ou 4 personnes descendre. Je peux confirmer, depuis le début, j'ai collé le cul de Jake. Donc c'est pas lui, c'est sûr, donc je me défends aussi en même temps. Hein. J'ai pas mis un seul pied à admin. Alors c'est Imra. Ou au campo, mais bon, je vais pas me condamner moi-même. Bah, normalement, c'est Ando qui est censé... Ouais, j'avoue. On vote Ando, au cas où. Oui, une opportuniste. Je sens que c'est au campo. Bon, allez, je vais écouter au campo. Oh non, et franchement, ça se fait pas. Pourquoi? Passons à quelqu'un qui saute, là. Il y aura pas qu'un pilon de poulet de mort ce soir. Sans un pilon de poulet, c'est forcément mort, non? Je sais pas. Merci, vous m'avez fait peur, les gars. Je crois que Jake a vraiment voté contre toi en plus, non? Non. Non. Non, c'est aucun problème. C'est moi. Non. C'est pas vrai. Bah oui. GG. Ouais, quand même. Elle m'a tué. J'ai rien dit, j'ai pas bougé. Elle m'a regardé. Elle a souri. Et après, elle est repartie. En mode sadique. Dans l'idée, c'était ça. Non, il m'a dit que ça va se payer. Je lui ai répondu que non, c'était moi qui payais pour la dernière fois et qu'on était quitte. C'est tout. Ouais. Oh, t'es moche à prendre en verre. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est un peu. C'est un verre chromaqué, quoi. Genre, c'est pour te fondre dans le paysage. Allez. Bon, bah, let's go. Ça a été rapide. Et au campo, elle passe en couleur Artrand maintenant. J'avoue. Bah t'avais qu'à pas la laisser ta couleur. Allez, pas de game. Excusez-moi, je mange un truc en même temps, c'est pas poli. Il aille dès le début. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est resté au lunchpad. Ou qui a fait demi-tour, peut-être. Sérieux? Mais. Bonjour à tous. Je vous laisse deviner qui j'ai vu sortir de la vente. En bas à Balcony, hein. On change pas d'équipe qui gagne. On prend Ando et. Bah, bien sûr, c'est Ando. Je viens de le voir sortir de la main. Mais oui. Oh, mais c'est trop, par contre, quand c'est trop pico, hein. Mais là, y a même pas à négocier, là, il sort de la bonne devant moi. C'est pas vrai. Et je crois qu'il courait après Imra pour le zigouiller. Oh, tu m'as sauvé la vie, ça veut dire. Incroyable. Mais bien sûr, merci, que tu m'as sauvé la vie. Mais je t'en prie. De toute façon, j'aurais accusé Ando parce qu'il venait de partir avec Jack de la salle où je suis. Bon, bah voilà, okay. C'était rapide.
Moi, bah rip. Hein. j'avoue, là, on fait un win sur juste un bouton, quoi. Il n'y a même pas eu de corps découvert. Il n'y a pas eu de corps découvert ou quoi que ce soit. Il y avait qu'un bah, seul corps. C'est plus simple. Je pense vraiment qu'il n'y ait personne à la cafétéria ou à Balcony. Déçu. D'accord. C'était quoi ça? Ah j'ai eu peur. Hein. C'était quoi cette bête? Ça devait être une girafe en plastique. C'est du hockey. Ah, c'est Sophie la girafe. Ah ouais, ouais, ok, je vois. Non. Hein? Non, pas un hochet, un hockey. Oh, c'est le hockey. Mais vu la saison, okay, ça va du hockey sur glace. Okay. Non, il n'y en a pas. Je peux te le dire, il n'y en a pas. Parce que moi, ça fait un an pratique. Enfin, ça fait 9 mois que j'attends de revoir des matchs de hockey. Et c'est dur. Ça ouais. Fait pas 9 mois. Non, ça fait pas 9 mois. Parce on qu'il y en a vu un en octobre. Deux en octobre. Il y a, non, des, il y a du hockey sur glace en France, je ne savais pas. Ah oui. Oh, bon, il y en a pas mal. Ah, ouais. Mais je ne savais pas non plus avant de le rencontrer. C'est pas le sport que je suis. C'est extra. Moi j'aime voilà. Bien le curling, mais il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Non, je crois qu'il y a 230 licenciés en France de curling. Ouais, mais je trouve que c'est absolument génial. Bah, tu vois des mecs balayés, c'est pas mal. Ouais. C'est ça. Pardon. En gueulant, bien sûr. Il y avait un feeling de cliché un peu, je sais pas, j'ai senti une petite amertume. Tu sais pas balayer, mon cœur. Tu sais passer l'aspirateur, tu sais passer la serpillière, mais tu sais pas balayer. Oui, mais je balaye quand même. Ça balance, ça balance. On va tout savoir. C'est juste qu'on balaye jamais. Et bah ben, on est parti. Je ne balaye plus, je ne passe plus l'aspirateur. J'ai acheté un robot qui fait ma place. Ouais, nous aussi, mais il est un peu bête. Ah, ça reste un robot, hein. Oui. Non, moi, mais il est complètement bête. Allez, là, good luck. Il ne tuera jamais. Allez, ça reprend. Direction storage, les câbles, hein, toujours. Cette map, c'est ce qui est embêtant, c'est tout le temps les tâches, c'est tout le temps les mêmes choses dans le même ordre en fait, c'est ça le truc. Les autres, non, on peut varier un peu le départ, mais là. Balcony, astéroïde. J'en ai mis des passés. Ah mince, il y a ça. T'aurais pas dû faire ça. Voilà pourquoi. Comme c'est bizarre. C'est pas moi. Non, alors, c'est pas encore 30. Ah, c'est oui. Pas au campo. C'est pas au campo. Ah, parce que j'ai vu au campo descendre et puis Jake était par là aussi. C'est pour ça. Je pense que Jake était en marque à tête. C'est ta cafette. Je dirais pas où. Bref, où êtes-vous? Et ben moi je viens d'arriver à admin, je sors de cafette. Je fais toutes mes quêtes avec Jake à côté, on a fait Astéroïde ensemble, on a fait les fils ensemble vers Storage. Ouais, je les ai pas vus. Parce que moi quand je suis avec Greg, il va à la cafette là. Et quand je suis reparti, Jake est resté à cafette, enfin, il a arrêté. Et j'ai vu au campo qui est descendu, mais si vous que c'est pas elle. Oui, mais je te suis arrivé à cafette, hein? T'es où là, Arine exactement? Je suis parti de cafette, je viens d'arriver à admin. J'ai eu juste le temps de rentrer le code, c'est tout. Oui, je viens de voir. Personne qui accusera, sérieux? J'arrive dans cafette là, et je t'ai pas compté, donc c'est normal finalement. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu Rim partir de balcony et je suis descendu voir si Jake était pas mort, mais je l'ai pas trouvé. Toi, c'était Rim qui était avec Jake en train de faire les câbles. On est tout à fait. On a fait les câbles ensemble, on a fait astéroïde ensemble. Ok. Et on est sorti de balcony, on remontait plein nord. On a croisé Ocampo qui descendait donc vers le sud. Et Jake s'est arrêté, il est parti vers la droite, donc je pense qu'il était parti vers le distributeur, je pense. Et moi, je suis continué à remonter, je suis allé à admin.
Donc si... J'ai une autre question, est-ce que quelqu'un a, vous... Enfin, vous a recroisé, à part moi je suis passé en éclair pour faire l'arrosoir. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a croisé tous les deux ensemble à un moment? Moi je les ai toujours vus ensemble, Rim et Jake. Moi j'ai vu personne à part Arthur qui a failli me faire très peur. Non, mais je t'ai couvert. Parce que Jake était où? Il était vers le distributeur, non? Non, il est tout en bas à droite de balcony. Ah, j'avoue que j'ai pas été jusqu'à devant droite, les ballons. Donc ça peut être. Ah, donc... Ouais, okay, je vois. Donc c'est un Kilvent. Non, c'est probablement un Kilvent. Je sais pas. Non, mais sérieux, ça s'est joué à 0,2 secondes, quoi. Et pourquoi j'ai pris une cartouche? C'est pas moi, j'ai pas eu le temps de voter. Non plus. Moi j'ai skip. Du coup, ça... Et non, ça l'a pas validé forcément. Allez, troisième essai. Ça, c'est rigolo, ça. Bon. C'est beau bruit, les pistes. Mais bon, bref. Admin, locker room en premier. Parce que les câbles électriques... L'ordre des quêtes dépend de ces fichus câbles. Communication. Est-ce qu'il faut faire un truc là? Non. Greenhouse. Admin. Admin. Ah oui, Lunchpad. Je me disais bien que j'avais pas un truc à, au début. Voilà. Greenhouse admin com. Attends, mais com c'est ici. Voilà. Et Honor. Honor. C'était les corons. Ah, qui c'est qui m'en met? Qui me MP Discord? 37, 2, 9. Hop là. Tac, tac, tac. Et Greenhouse. Oh, il y a un cadavre. Mais pourquoi les lights? Mais non, imposteur, pourquoi t'as fait ça? Il y a un cadavre là. Mais c'est qui ça? C'est... Non? Pourquoi t'as fait ça? Tu laisses un cadavre aux lights et tu désactives les lights, sérieusement? Bah j'allais innocent et rime, mais du coup... Ok, Imra, t'es où? Là ouais. J'étais en train de remonter sur électrique justement pour la panne. Ok, au camp de peau. Je suis avec toi. Ouais, t'étais où avant? Avec toi. T'étais à côté de moi tout le temps? Je suis au réacteur depuis qu'il y a eu l'alerte réacteur que j'ai faite avec Rim. D'accord. Moi enfin, je vous ai croisé au moment du cristal, enfin quand j'ai fait la mission cristal. Cristal. Tu l'as trouvé où Rim? Ah ah. Quand t'as fait la mission cristal? C'est oui, le cristal à reconstruire là. Okay. On était tous les trois au labo. Truc violet. Ouais, moi j'ai fait que passer au labo. Genre, vraiment passer. Ok, mais en attendant. C'est passé. Là, en fait, c'est le truc, c'est que. On est obligé de voter parce que si on vote pas, de toute façon, l'imposteur va tuer quelqu'un, il a gagné. Si on vote mal, S-File, sinon c'est loose. Donc là, c'est gros. En gros, c'est plouf plouf, une chance sur 3, quoi. Bah, moi je dirais plutôt une chance sur 2. Oui, enfin sur 2, oui. On est 3 joueurs. Quoi. Du coup, tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé en plein milieu du couloir entre réacteur et laboratory. Ben donc, c'est entre les deux pièces, quoi. Disons ouais. Que ça laisse pas trop le. Entre laboratoire et réacteur? Ouais. Je suis mignon, le... c'est pas possible. Yeah. Mais là, ça fait... Enfin, le cadavre est vieux, ou il vient juste d'être fait et paf?
On sait rien. T'as report instant quasiment, c'est pas. Ah, j'ai report dès que je l'ai vu parce que je me suis, j'avais une quête encore à laboratoire, tu vois, mais je sais pas, je m'autofilie. Non. Dommage. Bravo le feeling. Okay, aïe aïe aïe. Imra, j'ai une question. Oui. T'as laissé un cadavre aux lights. Pourquoi t'as désactivé les lights un peu après? Parce que je voulais faire un kill ailleurs en fait. J'ai bah ouais, mais du coup, c'est pour quelqu'un qui allait réparer les lights, allait tomber sur le cadavre. Ouais. Oui, non, mais c'était pas forcément le plus pertinent. Je faisais oxygène. Bah en fait, là où t'as pas eu de bol, c'est que Artrand, j'ai pas laissé assez longtemps pour qu'il se barre et qu'il fasse un kill. Ah, c'est sûr. Ah, c'était chaud. Ouais, c'était tous les quatre collés à la fin. Ouais, c'est ça, du coup, pour trouver le coupable et tout, c'est walou. Hein. C'est pas faux. Ouais, bon, bah, en avant, hein. Allez, go. Good luck. Good luck. Ça a crash ? Ça a crash. Ouais, ça... Ah, Endo a live. Oh, je suis là. Oh, d'accord. Oui. Ça a crash. Non, t'es plus là. Bon, bon ça va être rapide. Faites les kills. Il a eu sa meilleure vie à passer la gnose. Ah, attends, si Endo était l'imposteur. Bah, si Endo était l'imposteur, on aurait déjà gagné. Bah, tu penses parce qu'il y a eu un coup de lag quand même. C'est pas moi. Non mais vous mutez pas, on est 5 là. Ou alors on fait un cache-cache vite fait, l'imposteur se dénonce, les autres se planquent mais. C'est pas moi. Bah c'est Rim. Forcément. Ah non, c'est pas moi non plus. Ah, mais tu le dis en rigolant, je le sens pas. T'as raison. Tu t'es fait tuer, Artem? Oui. Mais j'ai trouvé son cadavre. Oh la balance, quand t'es mort, t'es censé te taire. Non, mais. Oh là là. Terrible. Non, mais du coup, je suis en train de chain, mais. T'es en train de faire toutes tes missions, t'es trop fort. Hein. Ouais. T'as beaucoup de missions ici, par contre. Où ça? Je m'enfuis. Attends, t'as dit Rim ou Imra? C'est pas celui que tu fuis. D'accord. Bah je fuis personne. À part toi, mais ça, faut pas le dire. Si, enfin, oui, non. De toute façon, moi, je dois avoir un bug. Ça fait 3 cadavres par terre que je marche dessus et je vois pas. J'avoue, c'est quand même bizarre. Bonne chance, Jake. T'as pas acheté le DLC cadavre, voilà. Rim m'a croisé 3 fois. Donc... Attends, laisse-moi faire le scan, mais je voulais savoir si je suis en bonne santé. Chef. Allez, tu peux rejoindre Nido. Putain, pour une fois que j'étais imposteur, quoi, merde. Ouais, pas de bol. Ando. Si tu veux, Ando te laisse sa place. Je préfère être imposteur, moi. Je préfère être imposteur que crewmate. Ah, ça dépend. Quand t'es trop de fois c'est bien quand ça alterne, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'était la première fois de la soirée que j'étais imposteur. Deuxième ? T'as première ? T'as pas été imposteur au début ? Non. Ok. Non, sinon il y aurait eu beaucoup de morts à la seconde, moi. Tu sais, je suis un peu confus. Lance une game random en dos et quitte, là. Tout à l'heure, j'ai dû spam 5-6 fois le code, hein. C'est... ouf, hein. Ouais, du monde sur les serveurs. Doit y avoir du monde sur les serveurs. Pardon. On aurait dit que je faisais maïté. Bah alors. Eh oui. Alors, et l'anguille, là, tu la prends et tu la sommes.
encore à boire. Mais arrête de me regarder comme ça, toi. Va roupiller. Tu parles à ton chat? Oui. Oui. Ah, j'ai eu peur. Non, elle me parle pas comme ça, moi. Enfin, ça dépend, mais... Des fois, oui. Est-ce qu'elle aurait dit roupiller déjà avec toi? Non. Non. Pas forcément. Bon, bah, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Feu. On compte pas. Je suis mute. C'est reparti. Je hein. suis ouais, non, je joue pas. Eh, on fait un cache-cache? Si vous voulez. Je... Non, non, je ne proche pas de moi. Non. Ce jeu part en cacahuète. Littéralement. Tac. Tac. Les câbles là-bas. Bon, on va terminer là-haut, là, réacteur et labo. Et on verra après. Salut Tsume. Voilà, du coup j'ai dit salut Tsume. Et forcément, je rate la porte. Oh là là, mais ce soir, rien ne va. Comme... Je suis parti tout seul et j'ai croisé personne, quoi. Personne. Mais je sais compter jusqu'à 10 et laisser mes chaussures. Mais je ne suis pas une tortue. Une tortue atteint l'océan, comme dans World of Warcraft. Caillou, caillou, nonos, nonos. Mais laissez-moi poser mes feuilles, tranquille. Bon, bah, vie partant, hein. Ah, il y a aussi Anto. Ah. Vous étiez où, tous, grosso modo, là? Réacteur. Je redescends des plantes, moi. Mais il y avait Ocampo qui me collait au derge, bizarrement. Non, moi, j'allais appuyer sur le bouton parce que j'avais vu Rim vente. Hein? Bah oui. Tu m'as pas vu? Je t'ai vu me courir après, oui, ça c'est sûr. Me vente, non, par contre. Ah bah après, je te courais après. C'est pas de ma faute, t'as dans la direction du bouton. Mouais. Ouais. Ouais, bah non. Non. T'es vraiment chaud. Bah moi, je sais ce que j'ai vu. Ah, vous m'aidez pas, là, hein, pour se trouver coupable. Jake, bah... t'as quelque chose à dire? Ouais, je dis au chat de rejoindre le Discord. D'accord. C'est qui okay. le mystère? C'est D, la réponse D. Sinon, le coupable, tout ça, t'as pas de piste? Bah, j'ai croisé personne, je suis parti en premier, vous étiez en train de faire une farandole au lunchpad, et bon, j'ai croisé personne depuis, quoi. Bah, je vous dis, Ocampo, elle est chelou. J'ai rien de... Elle est bizarre, c'est bizarre. Mais pour résumer... Ocampo accuse Rim et Rim accuse Ocampo. Ah non, moi je dis juste qu'elle est bizarre. Ça... Je ne l'accuse pas, je dis juste qu'elle est bizarre. Après chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que t'as pris une vente, Rim? Elle dit que t'as pris non. une vente. Est-ce que t'as ah pris non, une j'ai pas pris de vente. Bah, pas du tout. Ah, toi, faire les... dire que oui. Je suis allé à Greenhouse, j'ai fait les choses. J'essaye. Je veux dire, si j'avais voulu tuer, au tout début j'ai vu je t'ai vu toi, Imra, je crois. À admin, ouais. J'aurais pu te tuer 50 fois et je t'ai pas tué. Hein. C'est pas faux, après c'est risqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe au début. Bah parce qu'on est tous les deux pépères, enfin j'ai fait mon code, j'ai fait mon bouclier tranquille, et j'aurais pu te tuer 20 fois. C'est que ça à dire. Justement, ça te sert à avoir quelqu'un pour te défendre. Non, moi je t'ai vu 20. Mais t'as rien vu du tout, mais t'as fumé toi. Et là, t'as c'est quel van ce qu'il a pris? Celle au-dessus de... Ah quand même, j'ai vraiment cru que... Elle s'est dénoncée dès le début quand même. Mais ah oui bon. Elle a dit en quoi gros, il m'a fait non, me tue pas, je l'ai tué, j'ai fait et si, je me suis barré, j'ai suivi R30 sur toute la map, je l'ai tué, il y avait quelqu'un derrière. Sérieusement. Et après je courais après Rim après avoir vent devant lui et personne ne dit rien. Ah ouais, mais c'était pas... normal. Je t'ai pas vu vent parce que j'avais tout sur l'écran moi, sur un mes feuilles, donc je t'ai pas vu. En tout cas, je me suis bien marré, désolé d'avoir tué la partie, mais je me suis bien marré. Bah t'as tué la partie et deux personnes. T'as tué des gens surtout, c'est ça. Franchement, je te félicite pas. Hein. Désolé, j'en ai marre d'être imposteur. Je sais pas être imposteur. Après la... Après non, c'est en plus, la... je fais... On fait un cache-cache. Après la prochaine partie, il y a quelqu'un qui va rejoindre en plus la partie. On sera 7. Ah, cool. Normalement, cool. En théorie, okay. Du principe de la probabilité. Tout va bien dans le meilleur des cas. Ouais. Ça marche. Il y a 99,99% de chance que 6 passe à 7.
avec une personne en plus, mais ouais. Sur un malentendu. Ouais, mais sur un malentendu, mon téléphone d'astreinte pourrait sonner et je pourrais partir à ce moment-là. Bah attends, je t'appelle et du coup, personne peut t'appeler. Comment c'est pas mon téléphone perso, j'ai un autre. Mais si, tu vas voir, ça va fonctionner. Tu vas voir. Il est où Rimfire. File de numéro, c'est pas grave. Attends, Rimfire. Ah, si je saturer la ligne. Ah, mais non, mais tu t'appelles pas Rimfire dans mon répertoire. Mais t'es souvent d'astreinte en fait. Toutes les 5 semaines. Mais c'était pas il y a 5 semaines la dernière fois. Bah, à peu près, à vue de babouche. En moyenne, c'est toutes les 5 semaines. C'est pas une sortie. Je buguais pareil sur l'expression. Bah, Jake a même pas dû être choqué par mon expression. Non. Voilà, c'est un classique chez moi, à vue de babouche. Réponds pas au téléphone, hein, surtout. Hein. Tu m'appelles ? Bah. Je sais pas. Vous êtes bien sur la messagerie de. Mais j'ai pas mon téléphone perso là avec moi. Bip. Coucou tonton, je te fais des gros bisous. Voilà. Je raccroche. Bon, bah t'as un message répondeur. Hein. Ça marche. Du coup, j'étais en train de courir n'importe où pendant que j'étais en train de te téléphoner. Moi. Je faisais n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oxygène, j'arrive. Voilà, reprends le cours de la partie. Je n'étais pas du tout de suite au courant, je suis désolé. Donc voilà, hein, mais j'ai un doute sur quelqu'un, mais je suis pas sûr à 100%. Bah on voit, vas-y, fais péter ton doute. Non, je veux savoir où est-ce que vous êtes actuellement tous, Martrand. Moi je suis à Non, je suis où moi J'arrive cafétéria. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est okay, ça. T'as l'air sur le Imra. Je viens d'arriver à Admin là. Je suis admin. Jake. Dans le couloir, mais je sais pas trop où en fait. J'étais sur le téléphone donc. Dans le couloir, réparer l'O2. J'allais réparer l'O2, oui, c'est ça. J'allais partir vers en bas. Ok. Bon, alors l'O2 du bas, c'est moi qui l'ai réparé. Et d'accord, comme ouais, j'avais le launchpad à finir, je suis allé par là. Et j'allais repartir, comme ça, parce que je me disais qu'il y avait personne. Et j'ai vu un tout petit rotillon bleu turquoise. Et je me demande si c'est pas un kill du tout début. Et au tout début, la deuxième personne qui est partie avec moi, c'est Imra. Donc j'ai un doute sur Imra. Mais vraiment petit. Je suis pas sûr à 100%. On était nombreux à être partis ensemble au début. Hein. Enfin, j'étais pas derrière pas ensemble. Avec tout le monde. Derrière Imra, t'étais largement derrière avec moi. Hmm. Ah, moi, en tout cas, c'est pas moi. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas moi non plus. On va. Ah bon? Les morts parlent. Non. Ah, fois, moi, j'ai les esprits info. Sont parmi nous. Bon. Dis-moi, Popo. Est-ce que ton agresseur est le grand bois? Je ne sais pas. Ah, elle a dû perdre ses yeux en même temps que la vie. C'est terrible. C'était par derrière. Ah. Pas savoir. Je vais le faire. On joue, hein. Désolé. J'ai eu une mauvaise idée qui passe dans la tête. Heureusement, j'ai embrouillé les pistes. Attends, c'est où? Mais... Ah, oh, c'est de l'autre côté. Donc il faut que je fake par là. Juste une minute, je suis mute là. Mais c'est moi qui ai déclenché l'O2. Sérieusement? Mais à quel moment je l'ai déclenché, j'étais sur le téléphone. J'ai fait des trucs, je sais même pas ce que j'ai fait quoi.
Jack Endo, où êtes-vous ? Présentement, cafétéria. Présentement, électrique, entre Thurman Download. Ok. Imrat, t'as fait quoi ? J'étais avec toi les trois quarts du temps. Par contre, j'ai eu peur de toi quand tu me suivais, j'ai cru que t'allais me kill, honnêtement. Quand on remontait de cafète, qu'on est allé à truc. Tu sais, j'ai vite sauté dans le sas. D'accord. Ouais, t'étais derrière moi les trois quarts du temps. Oui, j'étais derrière toi parce que justement je voulais voir si tu parlais, prenais pas une vente. En fait, quand j'étais derrière toi, parce que de base je partais avant toi de cafétéria, mais je me suis dit, est-ce qu'il va pas aller prendre la vente balcony. J'ai voulu m'assurer. Bon, le kill. Et réacteur en plein milieu de la salle de réacteur. Moi je viens d'y arriver. En l'occurrence, Imra peut l'attester. Oui, oui, oui. Non, pour moi c'est pas toi. Pour moi c'est entre Ando et Jake. Ando, bah, t'étais à l'électrico. Moi j'envisage toi aussi donc. En train de faire le download, je t'ai croisé à admin. Ça, j'aurais eu le temps. Hein. Tu redescendais d'admin, Imra. Donc, je dis, vu que j'ai déjà des options sur toi, je me suis dit, il y a peut-être un kill dans admin. Donc, j'ai fait tout le tour. Serre, admin, électrico, pour s'il n'y avait pas un kill, il n'y avait pas. Donc, après ça, j'ai fait, j'ai arrosé les plantes, j'ai fait le code, et là, je suis en train de faire le download. Et vous m'avez dérangé dans mon download. Et Jake, t'as fait quoi comme chemin sur les 20 secondes là qui restent 20 secondes. Là, j'ai fait. Alors, attends, j'ai fait cafette. Putain, je suis en train d'écrire en même temps. Cafette, communication, et je suis retombé cafette, j'ai rien fait d'autre. Oh là. C'est chaud. C'est serré. Merci Rim pour le YouTube. Eh ben. Ils sont tous les trois ensemble. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Pouh, chaud. Du coup, c'était. C'était Jack. Jack. Je me suis fait tuer, c'est vrai. Il cachait bien son jeu de petit salico. Je maintiens que t'as quand même un appel en absence et un message sur le répondeur. Non, mais je te crois. Mais... Attends, je vais être sur mon téléphone pour être sûr qu'il ment pas quand même. Vous savez quoi qui tue, ah si, j'ai l'appel manqué, je confirme. Ah. Voilà. C'est un petit malin quand même. Il se sert de l'IRL pour se couvrir en jeu. Attends, je t'envoie une lettre recommandée. La diversion. Ça va être aussi rapide là. Avec un R, s'il te plaît. J'ai une question. Conseil qui se fauteuil, il se fait tuer. Quand on est fantôme, les portes de balcony s'activent. Oui. Est-ce que ça s'active aussi pour les vivants ou pas? Oui.
Donc vous voyez quand il y a un fantôme qui passe les portes. C'est oui. Toi oui. Qui t'amusais avec les portes tout à l'heure. Non. Ok. Bon, peut-être. Non, parce que j'étais en train de faire les astéroïdes et il y avait les portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui s'ouvraient, qui se fermaient. Ah enfin. Oui, non. Un peu plus tôt, pas dans cette partie, un peu plus tôt. Ouais. C'était moi. Ah d'accord. Donc oui, ça marche. Mais il était pas fantôme. Si, si, quand j'étais mort à ce moment-là. Mais dans cette partie-là? Non, pas dans cette partie, deux, trois parties plus tôt. Ah, ok. Ne lance pas de suite, il y a une personne soumet qui va nous rejoindre. Je vois de toute façon, on peut presque changer de map, non? On peut changer de map. La fin. Et Jake? Oui. Le lien que j'ai filé, tu pourras le partager quelque part dans ton merdier de Discord, pour ceux que ça intéresse. Si ça intéresse. Je regarderai exactement de quoi ça parle, et en fonction, je mettrai dans le canal approprié. Marqué? Mais il y a spoil, je vais faire, dès que j'ai le temps et dès que j'y pense, je ferai un canal ressources avec tout ce que je me sers et tout ce qu'on se sert en atelier autour de l'assaut. Il y a des trucs éducatifs, des trucs autour de l'éducation pop, des trucs un peu plus à initiative alternative, mais ça on a déjà. Et comme ça au moins tout le monde pourra savoir sur quoi on se base pour parler de divers sujets autour de la radio, de l'éducation média, la voix, fake news et aussi éducation autour du jeu vidéo. Et je pense que ça peut intéresser des gens. Donc voilà. Ça peut être cool, ouais. Donc pareil, si on voit des choses intéressantes sur des chaînes YouTube, on pourra s'en servir. Je pense notamment à la chaîne Qu'est-ce que tu geeks ? Peut-être que vous connaissez. Qui font des choses très intéressantes et en plus sous licence libre. Par exemple, pour expliquer tout ce qui est sécurité, cookies et compagnie, je me sers de ce qu'ils font eux. Et c'est plutôt très D'accord. bien fait. Enfin, c'est bien fait. Ils expliquent bien. Après, en termes de vidéos... ils n'ont pas le matos pour... Mais bon. Voilà, je crois que je vais vous abandonner parce que je commence à avoir sacrément mal à la tête. Ah, mince. C'est à force de mourir, ça. Ouais, ouais. Toujours se faire tuer par Jack et Ando au bout d'un moment. C'est pas vrai. Quand t'as la tête séparée du corps, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais j'avais déjà mal à la tête avant et... Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis... Bonne soirée. À la prochaine. Yep. Salut. À la prochaine. Salut, salut. Bah, une personne de perdu, une personne j'espère de retrouver. Hein. Ah bah oui, à l'instant. Bonsoir, Soumé. Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir à toi. Salut, bonsoir ici. Ah, Tsum. Désolé. Fait que je la fasse. Yes, t'inquiète, t'es pas le premier. J'y avais même pas pensé. Tu sais bien, c'est mon truc de faker les pseudos. C'est rapide, à peine arrivé direct. Le code pour rejoindre la partie de Soumé, c'est le dernier message du canal stream. Normalement, tu peux voir ce que c'est. Alors, en général, je mets pas longtemps à pourrir un pseudo. C'est quel canal ? Canal stream, texte écrit là. Et c'est le message que Artrand avait mis en 6 lettres. C'est juste en dessous, juste au-dessus de notre vocal à nous. Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. C'est presque pareil. Écorche pas les paroles d'un chien, s'il te plaît. C'est moi. Oui, mais s'il y a des accoudoirs, est-ce que c'est toujours un fauteuil? Ah. Oui. Ah. Au contraire. Oui. S'il n'y a pas d'accoudoir, c'est pas un fauteuil. Bah, une chaise n'a pas forcément d'accoudoir. Un fauteuil, c'est une assise. Quoi. Enfin, voilà. Et nous voilà partis dans un débat grandement intéressant. Qui pourrait d'ailleurs apparaître anciennement dans le journal de M. Pernaud, qui n'est plus ce magnifique journal. Bientôt sur JPPTV. Oui, sur JPPTV. Si on peut éviter ce genre de pub. Oh, c'est pas méchant, c'est sympa, JPP. Ouais. Ah bah ça y est. Il est pour la culture, ce monsieur. Tu devrais bien l'aimer. Ouais. Ouais. Un journaliste n'est pas censé donner son avis. Ah bah lui il le donne. Puis merde, voilà, c'est ça qui est problématique. Il est plus journaliste. Ah si, il est journaliste. Il a toujours la carte de presse. Il a toujours la carte de presse, mais c'est un anchorman, c'est pas un journaliste en soi dans le métier. Il est directeur, il a été en tout cas directeur de rédaction. À partir de là, il est journaliste. Oui. Moi, je l'ai rencontré en vrai, et je vous jure qu'il est exceptionnel.
Et tu vois, c'est quelqu'un, autant j'aime son journal, vraiment sur le côté local, artisanal, me dérange pas. Tout ce qui est le reste me dérange. Mais en vrai, j'aimerais beaucoup le rencontrer, par contre. Moi, je l'ai rencontré en vrai, je te jure, c'est... Je l'ai vu, quoi, 10 minutes, 10 minutes de kiff. Parce qu'il est simple comme toi et moi, hein, c'était tu, hein. Il a pas... il dit, faut pas me vouvoyer. Hein. Il me dit, tu veux une clope? D'accord. On peut lancer. On peut lancer. Allez, bon, on est parti. Let's go. Allez, bon courage. J'ai pas changé les settings, bon. Du coup, on n'a pas changé de map. Bah, on est passé de 6 à 6 en fait, donc. Au camp pro, ne sera pas l'imposteur. Allez, c'est pas faux. C'est parti. Alors, du coup, j'espère que Tsumé ne regarde plus le stream, parce que sinon, c'est de la triche. Allez. Est-ce que regarder JMTV en même temps que jouer, c'est de la triche? Quoi? J'y quoi? JMTV. Ah! Non, non, stop. S'il vous plaît. Je ne suis pas de cette chose-là. Alors, on va faire le code... Difficile, là. Très difficile. Bartrand et Tsumé, Dreamfire. Mais ça me fait penser à Tsumé Miku, mais je sais pas si c'est un rapport, on verra bien. Déjà réparé? Ils ont pas perdu de temps. Hein. Ça va répondre. Vite. Yes. Petit Rimfire. Même en dos aussi. Et en dos. Oui, mon on s'en fout. Le kill était juste en haut en fait. Et Jack revenait de là. En haut. En haut ou à la serre. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. On t'entend. On t'entend, par contre, t'as pas. Ah, j'ai crash. Ouais. Bon, je dis juste qu'il y avait Jack en fait à côté du corps, mais il était à générateur. Voilà. Pardon. Alors j'étais bien au réacteur, mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de corps. Moi. Si, juste, il était réacteur en haut à droite. Et les dernières personnes, enfin, je vous ai vu à 3 sortir de réacteur, et la dernière personne que j'ai vu sortir, c'était Jack. Alors j'ai bien croisé du monde, mais... Moi et Jack... Simplement. Parce que c'est. Si je me trompe pas, descendait... c'est Artrand qui a fait la main gauche et Jack qui a fait la main droite, non? C'est ça. Non, c'est. C'est Jack. C'est Rim. Moi, quand je suis arrivé à réacteur, vraiment au moment où j'ai mis les pieds dans la salle de réacteur, vraiment, Artrand était bien sur une main,
Rimfire était sur une autre, et moi j'étais au milieu parce que j'allais me diriger vers les mains, et vous avez désactivé à ce moment-là. Et je t'ai vu arriver après. Aussi. Jack, je t'ai vu arriver après, ça a été désactivé, et je t'ai vu arriver après. C'est comme ça que j'ai vu les choses, après. Mais par contre, je suis resté côté réacteur, moi j'ai pas bougé. Enfin, ensuite, je suis redescendu, mais j'ai rien fait d'autre. Moi j'étais en train de faire la suite de numéros, le temps que vous arriviez pour faire la main, parce que ça servait à rien que je clique dessus tant qu'il n'y avait pas une deuxième personne. Du coup Artrand a fait celle de gauche, Rim celle de droite, moi je me suis reculé, du coup j'ai laissé faire voir s'il y a un kill ou un truc. Et toi t'es arrivé seulement après, une fois que c'était désactivé, pas longtemps après, mais t'es arrivé après. Ah ça s'est joué à 2 secondes près. Ah oui non mais... Ouais. Ouais, bah là par contre c'est loose. Hein. Si c'est un skip, il y a un kill et c'est loose. Ouais, c'est vrai. 25 secondes. 25 secondes. Qui c'est qui m'a SMS ? Bah, il est passé où ? Eh, vas-y, passe. Oh là là ! J'ai. C'était qui ? Jake, je te hais. Pourquoi ? Parce que je fais la quête pourrie du cristal et tu me zigouilles quand j'ai quasiment fini. Non, on a gagné en fait, Jack a perdu. Oui. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Il veut cacher. Bah les quêtes. Tout le monde a fini ses missions. Triste. Je suis deg. T'es déçu, Jack. Hein. J'ai vu que surtout que là, la technique était parfaite. Imra, il s'est caché derrière le truc de la serre et j'allais pas m'amuser à faire le tour. Du coup, je me suis mis à l'entrée de la salle, j'ai déclenché l'alerte, j'attendais, je me suis dit, ils sont obligés d'être deux, il est obligé de passer. Simplement, il passe, il est zigouillé, il passe pas, il perd sur l'alerte. Dommage. C'est quoi qu'il en soit, c'était perdu donc j'ai attendu. T'as perdu quand même. La partie elle est host là ? Comment ça ? Ouais, c'est toujours up. C'est... Attends. Attends, oui, voilà, c'est bon là, c'est bon ça. J'ai été exclu, moi. T'as été exclu toi aussi ? Ouais. Enfin, c'était chou. Je peux la rejoindre ? Heureusement que vous avez fini les missions, sinon c'était mort. Ouais, bah moi aussi, je me suis dépêché à aller finir mes missions. Tu m'as piqué ma couleur encore, ah c'est Tsum. Non, bête. C'est pas vrai. Sale bête. Ouais. Je suis couleur caca maintenant. Non, t'es juste bronzé. Non, là par contre, là, tu es dans une centrale nucléaire, hein. Je sais pas ce que t'as mangé, mais... Couleur radioactive, couleur uranium. Moi, je suis couleur au campo, voilà. Oh, ah merde, t'es couleur au campo, allez. Spécial dédicace. Peut-être qu'en mettant couleur au campo, je vais être imposteur. On va te voter par défaut. Ah, peut-être. Ah, c'est vrai que c'est pas une bonne idée. Par contre, tu laisses pas grave. Bon, allez, c'est parti. Oh. Encore ? Mais non, mais ça suffit, quoi ! Sérieux ? Allez, ça c'est gratuit. Personne qui le fait. Ils vont me... Ouais, il va falloir que je le fasse sinon. Ah. Eh ouais.
Ah, Endo. Ce à quoi je m'attendais. Encore Endo, le pauvre. J'adore ma vie, hein. C'est un peu compliqué parce que là, je sais à peu près où est tout le monde. Et Artrand est sur mes pieds, là. Ouais. Alors, si vous permettez juste, je vais en protéger deux, hein, moi et puis quelqu'un d'autre. Imra était sur l'analyse du truc du médecin, ouais. Medbay. Et je devais attendre parce qu'il n'avait pas fini, donc c'est pas lui et donc c'est pas moi non plus. Et Jake était avec nous. Je peux pas dire par contre, il était là, c'est sûr. Mais j'ai vu que vous faisiez la queue et dès qu'il y a eu l'alerte, j'ai voulu pour monter. Il y a Tsume qui était en train de faire l'alerte d'en haut et le temps que je redescende pour faire l'alerte d'en bas, et bien, il y avait un cadavre. Je t'ai vu repartir, etc. Je t'ai vu jouer. Après, je sais pas. Ah, il était sur l'autre. Le corps était sur l'autre alerte. Il était un petit peu plus en décalé. Il était un petit peu plus sur la gauche. Ok. Ouais. Ouais, j'ai pas pu faire. Ouais, il y avait Jack en haut, mais ouais, c'est pas. Ça peut vendre aussi, mais je connais pas bien les ventes ici. Là, les ventilations sur cette map, elles sont toutes reliées. Ah, elles sont. Ok, bon. Ouais. Bah je sais pas défendre qui que ce soit donc. Voilà. Bah moi je suis parti, j'étais tout seul. Parce que là le temps que donc Medbay, Imra, Rimfire. Imra était sur la stèle. Ensuite il y a eu l'alerte, le temps que tout le monde fasse le machin, je suis remonté là-haut directement. Soumet était dessus, Artrand était pas loin et je suis redescendu avec Artrand. Donc en bas, il restait plus que Imra et Rimfire. Et Imra était sur la selle. Donc là, comme ça, moi, je dirais Rimfire. Mais sans conviction, sans prise de fait, tout ça. Pourquoi ? Comme ça. Je vois pas le rapport. C'est ta couleur. Je dirais Ocampo, du coup. Mais non. Je vois pas ton logique est pas claire, Jake. Enfin, je sais même pas où il est en dos, j'ai même pas écouté. Yes. Il est dans le couloir entre Launchpad et Medbay, juste à côté du truc O2. Si vous voulez. Ouais. Donc du coup, il ne faut pas que je tue Rimfire. On va dire qu'on a fait les câbles là. On va remonter faire des câbles là-haut. Ah, ils sont deux, qu'est-ce que je fasse? Il y a tout le monde là. Ah non, j'ai bien fait. J'ai eu bien fait. Réacteur. Et il me surveille. Les deux me surveillent. Je l'annonce, c'est un kill vent. Que je l'ai vu se balader et je viens d'arriver, enfin je viens de revenir dans Reactor et il était mort. Je viens de voir Jake qui descend de Reactor. En effet. Ah ouais. Oui. C'est bizarre ça. Bah oui. Parce qu'en fait là j'étais en train de faire tout le tour de Reactor Laboratory. Dans le cas où il y aurait un petit kill.
En fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai vu deux personnes monter des contaminations et que j'ai vu qu'une seule personne dans tout réacteur laboratoire. Mais t'étais où, toi? Moi? Ouais, toi. Je suis réacteur. Le kill est réacteur. Mais attends, à ce moment-là, j'étais sur le Simon, Imra est arrivé ensuite sur le Simon avec moi, toi je t'ai vu te balader autour du réacteur, et après t'es parti faire la tâche des cristaux. Ensuite, je suis redescendu, j'ai croisé Rimfire. Donc soit c'est un kill 20, soit c'est... Mais non, mais non, t'as fait la tâche. T'étais où, Tsume? Admin. Admin? Ouais. J'étais en train de check justement, mais bref, j'ai perdu le film. Mm-hmm. Je serais pas trop vous dire. Ben, je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'infos en fait. Enfin... C'est. Faut tenir votre âme et conscience. Ouais. GG. GG. Bah, nice. Vous pouvez expliquer pourquoi? GG. Parce que j'étais quasiment sûr de t'avoir vu monter avec Imra. Oui. Et que je t'ai pas vu du tout dans Reactor Laboratory. J'étais au Simon, Artran, t'es passé devant moi deux à trois fois quand t'as fait le tour. Ah bah je t'ai pas vu. Ah bah là, change tes lunettes, vraiment, je te sors la vidéo arbitrage là. Et vraiment. Tu m'as mis une cartouche le tour d'avant, là je t'en mets une. Bah ça j'ai vu. Mais attends, on en parle. Donc, de mon kill qui a eu lieu au bout de 10 secondes de partie. De toute façon, Endo, soit il se fait kill dès le début, soit c'est lui l'imposteur. Non mais je vous jure, je crois son parti, je fais tout. Ah d'accord, je meurs. Vous le savez, moi j'ai 23h, je vous abandonne. Bien chef. Ça va, ouais, okay. Moi je pense que je vais s'arrêter là, je pense. Bonne soirée à tous, encore merci pour cette super soirée. Mardi prochain, ouais. même jour, même heure, même pomme. Même pomme. C'est ça. Je suis dispo. Même pomme surtout. Mardi prochain, vous comptez. Bisous, bisous. Allez, ça marche. Bisous, bisous. Bisous. Hein.